Bonsoir, la chanson qui est agréable. Bienvenue dans ce nouveau concept et oui, encore un nouveau format. C'est peut-être le plus angoissant, le tournage le plus stressant qu'on ait fait de notre carrière. Ça fait des semaines, ça fait des semaines qu'on se chie dessus, littéralement, ça fait très très peur. Vous l'avez vu dans le titre, tu perds, tu sautes, le concept est très simple. Tu baises une femme. Ah, tu perds, tu baises une femme, c'était ça la vanne. Tu baises une femme. J'ai jamais baisé une femme, moi. Le concept est simple, tu perds, et bah tu sautes. Bonsoir, merci. C'est tellement clair qu'il est bien. Et pour ce faire, nous allons jouer au jeu Dige. DJ comme un DJ, Ingle, on ne sait pas le nom précis. DJ Ingle, c'est un très bon jeu de quiz, de questions-réponses. Et c'est grâce à eux, enfin à cause d'eux finalement, qu'on peut payer cette vidéo, qu'on peut payer tous les gens et qu'on peut payer les trois épreuves de la journée McFly. Car je vous explique, nous allons donc jouer à ce petit quiz rigolo, ludique et sympathique. Tous les quatre ensemble, le perdant sautera à chaque fois. Première épreuve du haut d'un plongeoir. Première épreuve plongeoir de 5 mètres, voilà, pour commencer tranquille, pour poser les bases. Deuxième épreuve, le saut à l'élastique. Sachez que on est stressé à mort, que ici personne n'est à l'aise avec cette adrénaline, c'est vrai ou quoi? C'est un véritable trauma, je suis phobique. Pas loin de ça non plus. Et en fait, ça nous stresse depuis des mois avec McFly. Même si vous regardez les vidéos précédentes, on est un peu plus nerveux ces derniers temps, car ça nous angoisse à mort. C'était une boule dans le ventre depuis vraiment très longtemps maintenant. Et troisième et dernière épreuve, ce sera carrément saut d'un avion en parachute. Voilà, voilà, on aurait pu simplement jouer à ce petit jeu entre copains. Hein, non. Je sais pas parmi ceux qui regardent la vidéo, ceux qui ont déjà fait, qui ont l'habitude du saut en parachute ou à l'élastique, mais nous, ça nous fait flipper à mort. Comment faites-vous? Mais il y a des gens qui ont pas, ils ont rien, ils ont pas le vertige, ils ont pas. Voilà, ouais, c'est fou. Ils payent pour faire le saut élastique. Ouais, ils kiffent. Oui. On est pour cette vidéo avec le père avec Jimmy Lablo. Deux personnes qui s'entendent bien entre elles. Et nous sommes très complices. Il y a une affinité. C'est vrai, Jimmy. Et pour cette vidéo, nous nous rendons en Normandie aujourd'hui parce que c'est le seul endroit où on pouvait faire les trois trucs à côté en une seule journée. Quitte à souffrir, autant tout grouper en une journée. En une journée, car sinon, c'est trop angoissant. Jimmy, ça roule toi? C'est la voiture qui roule plutôt. T'en fais un peu des caisses. Le but de cette vidéo, vu qu'on a tous peur, c'est de combattre notre peur, de prouver qu'on peut passer au travers et surmonter les obstacles. On va le faire ensemble ou pas. Je sais pas. Faire un AVC. Peut-être également. Juste pour parler de D-Jingle qui sponsorise la vidéo, c'est un jeu très marrant que vous pouvez trouver donc sur Jouer Club, dans Jouer Club. Vous pouvez le trouver dans Jouer Club. C'est une exclusivité Jouer Club ou sur le site internet D-Jingle. On le dit car vraiment, ils nous permettent de faire tout ça. Et en plus, vous allez voir, c'est vraiment rigolo au premier degré. Eh les gars, direction la pistache ou quoi? Allez! Est-ce qu'on peut faire un petit cri de guerre parce qu'on est avec des guerriers? Le cri de guerre sera une syllabe chacun. La longueur! C'est long. On espère que ce format va vous plaire. Encore un nouveau format. A tout à l'heure. Tada! Eh, on est dans le grand vin ou quoi? Le film au cinéma. Gilles Lelouch. Ah la vache, c'est pas si marrant là, c'était... S'il avait pas la ref, je crois. Si, c'était marrant, mais... C'est pas... En plus, j'ai dit ça... Oui, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est sourire, quoi? Tu ne rigolais pas autant. C'était pas ouf. On est d'accord que cette piscine est belle. Elle est belle, elle est très magnifique. Belle, ouais. Regardez, il est là. Il peut paraître pas haut. Voilà. Oh, cette phrase est dingue. Mais par contre, quand on est en haut, il est vraiment haut. Ouais. Donc c'est 5 mètres celui-là. Il faut savoir que quand tu arrives en haut pour un mètre comme moi, tu prends 1m91, ça fait 6m91, plus c'est 4 mètres de profondeur, 10 mètres. Mais de toute façon, on se met dans le vin, dans comme tu disais. Observez bien aussi le swag. Les swag. Il annonce tout, on va comprendre en même temps qu'on y joue, vous inquiétez pas, c'est simple comme tout. Il nous pose une question. Et on va répondre. On a chacun une couleur. Je prends la bleue. La verte. Violet. Orange. Vous savez qu'à Paul Berbé, la piscine, il y avait un truc terrible quand j'y pense. Les plus nuls en primaire étaient appelés les baleines. Et les plus rapides, les dauphins et les requins. C'est horrible. J'étais dans le groupe des baleines. Et surtout, t'as raison, si le petit est gros, c'est horrible. Enfin, tu dis ça pour... Pour un petit gros... Ah ouais. Ok les gars, vous êtes chauds? Oui. Soyez attentifs. Salut tout le monde. Choisissez chacun un buzzer et appuyez dessus. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous devrez trouver ce que c'est le plus vite possible. Pour répondre, soyez le premier à appuyer sur votre buzzer. Si vous donnez une bonne réponse, vous gagnez un point. Sinon, tous les autres joueurs gagnent un point. Le premier qui arrive à 20 points remporte la partie. Un film. Joueur vert. Titanic. Mais oui, Titanic. Mais oui, c'est évidemment Titanic. C'était Titanic. Non, oui, putain. Plus un point. Une ville. Rio de Janeiro. Un bâtard. Plus un point. Bien joué. Une machine. C'est un train, un wagon. Un wagon. Ouais. Une imprimante. Wow. On aurait dit un wagon. Une chanson. Et je voudrais. Oh bâtard. Putain. Louise attaque. Un métier. Pompier. Pompier, tu dis. Il fallait répondre policier. Vous imaginez le stress là? Ah oui, c'est horrible. Ça, avant le saut à l'élastique, je vais mourir. Ah non, ça, mauvaise réponse. Je n'ai répondu à rien. Pareil. Un groupe. Today.
Oh la vache. Putain, je t'en fais. Oasis. Oui. C'est lui encore. Oasis. Bonne réponse, une série télé. Breaking Bad. C'était Breaking Bad. Yes. J'ai pas vu un seul épisode de ma vie de Breaking Bad. J'étais très, très chaud. Ça va Karl, ça va, tu veux bien regarder? Mais non mais j'imagine même pas le stress qu'il aura au saut à l'élastique. Je suis même silent, mais j'ai 61 ans. Allez, on se concentre. Un animal. La chouette. Le hibou. C'était une baleine. Les deux plus opposés de tous il les a vraiment ça. La chouette ou le hibou? Une baleine. J'ai vu des magnifiques baleines. Non, c'était un hibou. Ah ouais, putain. Une femme ou un homme célèbre? Vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'est... Facile, putain. Le mec de... Nelson. Oh, il a pas eu. Mais Nelson Montfort l'a eu. Joueur violet, je ne t'entends pas beaucoup. Mais putain, j'ai rien. Ouais, quoi, c'est pas ça. À ton avis? Bah c'est le cirque. Ça t'évoque quoi? Bah vas-y. Le cirque. Je sais pas. C'était le cirque. Ouais, oh. Voilà, voilà. Ouais. Même si je sais que le jeu paye la vidéo, c'est un bon jeu. C'est... Oui, ça me rend fou de joie. Faisons un petit point sur les scores. Ah. Joueur vert, joueur bleu, 8 points. Joueur violet, 9 points. Joueur rouge, tu es en tête avec 15 points. Oh. Un sachant animal, un écrivain célèbre. Être ou ne pas être. Oh, on est con. Telle est la question. Est... La culture des gars. Oh, putain, ah, la vache, on va pas se tromper, on va pas se tromper. La vache, la peur de se tromper. C'était Shakespeare. Pire. Mais évidemment, on peut couper au montage ça. Country. Les gars, on vient de vivre un moment de défaite culturelle. Un banjo. Oh. À vouloir raser trop vite les moutons, on se retrouve plus. Les gars, revenons sur Shakespeare. Je veux un montage d'un hibou baleine, s'il vous plaît. On a pas été foutu de trouver une des phrases les plus connues du monde. Allez jusqu'au bout de vos études. Vraiment. Allez. Putain, chien. Un âne. Un âne. Bah, bravo. Arrête, comme il est content de rentrer. Est-ce que vous avez vu la tête de Carlito quand il a répondu à une question de maternelle première section? Un âne. Une chanson. Oh putain, oui, j'attends. Frère Jacques. Yeah, les gars, je suis super content. Vous avez pas la sensation que le jeu a baissé le niveau pour s'adapter? Après Shakespeare, ils ont fait une réu. Qu'est-ce qu'on fait? Un pays. Mais... La Russie. La Russie. Et voilà. Une œuvre musicale. La chevauchée de Valkyrie. Ouh. Wagner. La chevauchée des Valkyries. Oui. Yes. Je l'écoutais hier. Sasuke kudasai. Arigatou gozaimasu. Japonais. Oui, évidemment. Ah ouais. Le japonais. Putain, bien wesh. Ah, j'ai sauté la piste. Attendez, attendez, il fait un tour, il fait un tour. 9, de piste. 2, c'est la il fait un tour de piste. Un animal. Je sais pas. J'ai appuyé sans savoir. Fallait trouver. Dis vite. Un éléphant. Chien. Bah oui, c'est un chien. S'il vous plaît, un montage d'un chien qui fait un cri d'éléphant et l'inverse. La partie est terminée. Oh non. Joueur vert, 9 points. Joueur violet, 12 points. Joueur bleu, 14 points. Joueur rouge, tu as atteint les 20 points. C'est toi, le grand vainqueur. Bravo. Queen, Queen. C'est Queen, c'est Queen. On a oublié de préciser, le plongeoir de 5 mètres, c'est en plongeon. Non. Avec la tête d'abord. Mais non, mais non. Mais c'est frère, c'est trop facile. Attends, je sais pas si on a précisé aussi que Léopold a une phobie donc du vide. Sachant que tu as le vertige de malade, qu'est-ce que tu en penses de ce plongeoir de 5 mètres pour se mettre en jambe? Non, mais moi si je fais ça, la tête première, je fais rien d'autre. Enfin, genre, c'est impossible. Ah non. On t'aime, mec, ça va. Je vais me mettre en maillot. Et après, il reste élastique et parachute. Non, frère. Mais l'élastique. Si vous achetez ce jeu qui est superbe, merci Cynthia, vous êtes pas obligé de sauter non. derrière. Non, hein, oui, voilà. Juste jouer. J'ai hâte de te voir en maillot de bain. Venez, on lui dit des trucs gentils qu'on pense. Mais regardez la hauteur du truc. Pour te rassurer d'en haut, c'est très impressionnant. Je sais même pas le faire d'ici. Donc, mais j'ai mourir. Ah, je ris, mais c'est jaune. Mais c'est la première épreuve sur 3. Il y en a qui trouvent ça peu impressionnant, un plongeoir de 5 mètres. D'autres flippent vraiment. Dites-nous de quelle catégorie vous faites partie. Par exemple, moi, je hais. Moi, pareil, je hais aussi. Hein. Moi, j'ai fait 7 ans de plongeon dans ma vie. Remettons une photo ici de ma carrière. Et écoutez-moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà pris un plat de cette hauteur. Douloureux, comme si je te mets une grosse claque dans la gueule. Vas-y, fais-le. Non. Ah ouais. Allez. On y va. Oui, maillot. Ah, le champion. Regardez à quel point il casse la démarche comme une titi. Faut savoir donc, il a vraiment un vertige de fou. De ouf. Au royaume du web, tu sais, on a une photo d'ailleurs où il y a David et moi sur des tours. Ils sont pas si hautes et très bien protégés. Ouais, il était pas là. Il était, ouais. Et là, je crois que plonger pour lui, c'est... Là, on voit, on doit bien voir son dos, je pense, à l'écran. Là, on se rend pas trop compte, mais c'est déjà un peu flippant. Ouais. Si. Il atteint le 5 mètres alors qu'il a le vertige. Telle une loutre. Oh, je pense pas que les loutres aient particulièrement le vertige. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont le vertige? Peut-être des poissons. Est-ce que vous pouvez filmer autour de ce truc? Ça va, Léo? Mec, en plongeant, la tête la première. Mets les mains.
avec que la tête. Oh, regarde l'avancée. Eh, on rigole, mais oh, les gars. Vous vous rendez pas compte, venez. Ah la vache, regarde-le, regarde cette... Moi, j'aurais pas parlé. Cette non-assurance. À la caméra, ça doit être ridicule, mais vraiment. En fait, tu te rends pas compte de la hauteur. Oh la vache, j'ai eu un truc, là. Avec plongeant, c'est impossible. Impossible. C'est quoi, si tu peux pas le faire en plongeant, on comprend, fais-le déjà en sautant, t'as l'air déjà bien flippé. Vous m'en voulez pas? Si je saute pas, t'es la première. Bah, les gens vont t'insulter en commentaire, c'est tout. Même sauter comme ça, j'y arrive pas. Voilà, attends, mais j'ai mes lunettes en plus, comme un con. Merci. Voilà, je vois rien, c'est horrible. Oh, la souffrance. Vraiment, rendez-vous compte que pour lui, c'est très haut. Hein. Mais c'est grave. Mais c'est frère, il a la moitié, les trois quarts des gens. Non, mais pour lui, c'est particulier en plus. Hein. Vraiment. Et en plus, j'y vois rien, là. Je vois flou. Mec, plongeant, jamais de ma vie, je vous jure, c'est horrible. C'est la vidéo la plus angoissante. Allez, mon Léo. Eh, tu sais quoi? La peur, tu la prends et tu la jettes. T'es un warrior de ouf, t'y vas, tu t'en bats les couilles, tu te poses pas de questions. Prends le contrôle, prends le contrôle. Vas-y. Là, c'est ton moment. Oh Bravo Léo, dédicace à tous les gens qui plongent sans peur, avec une efficacité, il faut oui, et ils atterrissent, il n'y a même pas une goutte. Oh la vache, je me chie dessus de la suite. Ah la vache, t'as j'ai pas mal. D'empathie là, je pense que à nous j'ai après. J'ai que le saut de trucs tu sais, j'ai le sang qui est dans les jambes, il est pas ouvert les jambes. Ouais. Est-ce que nos conseils t'ont aidé? Ouais, en vrai ouais. C'est le de ouf. Mais en plus, j'avais pas mes lunettes, donc je voyais pas le sol, quoi, tu vois. C'était encore plus haut qu'avant. Bravo Léo, bravo d'avoir surpassé ta petite peur pour se mettre en jambe. Bah, petite peur, c'est une phobie. Ouais. Tout simplement. C'est une phobie. Bref, ou on part au saut à l'élastique. De 0 à 10, sachant que 10 c'est la peur suprême et 0 ça va. Vous avez peur combien là-bas? Moi, je suis à 8 quand même. Okay. 8? Ouais. C'est entre 8 et 9, c'est quoi? Moi, je suis clairement à 10. La dernière fois que j'ai fait un truc haut comme ça, c'était une via ferrata, tu vois ce que c'est? Genre, j'étais paralysé, c'est-à-dire que le muscle est contracté, le corps ne peut plus bouger et peu importe ce qu'on te dit. Ouais, ouais, tout à fait. Putain, là je suis à 10 peut-être. Du coup oh, je suis à 150. Et toi? Et moi, demandez-moi. 9-10. Allez, sois les allez. Nous voilà bientôt arrivés au viaduc. Rien que le mot viaduc, ça m'en fout. C'est l'angoisse. Viaduc, viaduc. Y'a rien là. Je sais pas ce que je filme. Oh la vache. Oui. Oh putain. Oh, putain, oh la vache. Mec. Oh la vache. C'est hyper haut. Mais y'a de l'eau au moins en dessous. J'ai demandé, y'a pas. Y'a pas d'eau? Donc tu te foires? Bah tu te foires. Ah bah de toute façon, sur l'élastique, même s'il y a de l'eau, tu te foires. Non mais tu te foires pas. Ils font ça tous les jours, il y en a 10 par jour, impossible de te foirer. Est-ce que y en a un qui est à moitié serein sur le truc ou pas? Qui a eu l'idée de ce jeu? C'est nous. Pas moi, c'est vraiment nous, encore une fois. Je suis juste invité. Le con de viaduc. Vous vous infligez des choses comme pas, ça. Mec, ah, pardon, pardon. Beau gosse, viaduc. Très beau viaduc. Alors là, plus on s'approche, plus c'est haut. Plus c'est prématique. Ouais. Ça ouais. Grandit, c'est fou. Plus il y a du soleil. Oui, enfin là, en l'occurrence, on s'en branle totalement. En fait, avec Jimmy, on se disait que c'était plus facile psychologiquement s'il y avait de l'eau en bas. Mais il y en a pas. Vous avez gardé les charlottes? Oui, oui, du coup, oui. Il fait très froid. Prends témoigne ce bout de pelouse gelée. Les gens sont si petits là-haut. Annulé. Annulé. Regardez, je saute de là. Regardez, regardez. Je saute de là. Ah non, mec. Oh, oh c'est bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Souscrivez à l'abonnement. Souscrivez à l'abonnement. J'espère que ça vous a plu. Les gars, vous allez où? Non, non, mais on faisait une boutade. Pour esquiver la réalité. D'accord. Ah la vache, pourquoi? Mais quand t'atterris, tu rebondis. Et si tu te prends un truc à côté? Ouais, j'ai un autre doute. Regardez à l'endroit où les gens sautent, l'herbe est différente, comme s'il y avait eu des impacts. Regarde là. Oh pourquoi là, Mac là-haut, Mac là-haut. Je pourrais pas. Oh là là là. Personne. Là, je vais gagner. C'est pas haut, mais il se fout de notre gueule. Au cul avec. Oh putain, les gars, regardez, il y a un truc de ouf là-bas. Non, mais. On te voit partir, David. Ah oui, on te voit encore. Non, mais David, c'est con. On sait où tu es. On te voit. On te voit, David. Je sais pas. Bah, allons voir là-haut ce que ça donne. Allons voir là-haut. Est-ce qu'on aurait pas pu te faire. Tu perds, tu manges un biscuit. Tu manges un biscuit délicieux. Et les gars, ça m'épuise là. Putain, ouais, c'est haut. Là, je le laisse un peu devant parce que j'aime bien réfléchir un peu sur ma vie. C'est une épreuve là. J'ai pris mon temps pour la caméra là. Tu me fais penser à Choco des Goonies. Tu te rappelles Choco dans les Goonies? On va voir cette merde. Parle bien du viaduc. Normandie, très très belle région. Ouais, très beau. Que c'est beau. Les gens sont adorables en plus, hein. Ah ouais, je stresse. Oh là, mais Jimmy, c'est horrible. Fou. Putain, mais t'as le cul flingué. Ouais, c'est horrible. À chaque pas, son prout. Mais c'est pas grave. Oh, oh là, les gars, c'est là, ouf. Ah putain, j'ai mal au bide déjà. Levant l'angoisse. Nous y voilà sur le viaduc. C'est l'horreur. Si vous saviez, il fait combien? Il fait 0. 4000 degrés. Oh. Je crois que c'est un des pires moments de ma vie. Ouais. Pourtant, on est entre amis, on va jouer à un jeu, mais c'est le pire moment de ma vie. L'angoisse est inimaginable. Je sais pas si vous le ressentez, mais pour moi, j'ai un organe supplémentaire appelé angoisse. Et tout est entre les mains de ce jeu. C'est ça. Bonne chance, les gars. Bonne chance. Je vous aime. Courage. Alors, bleu, violet, rouge, vert. Une ville. J'ai une bonne idée, mais putain.
Ah, je le tente. Vienne. Bon, je le savais. Je le savais. Une chanson. Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles. Bonne. Un instrument de musique. Violon. Un violon. Non, oh, ouais. Mais il est incroyable lui. Mec, il y a une note. Jimmy, tu sens? J'ai fait... je sens, moi je suis déjà là. Hein. J'ai fait 12 ans de violon. Un chanteur ou une chanteuse. Putain, j'ai la... Mais oui. Vous allez trouver Zaz. Mais oui, c'est ça. Je le savais, j'ai appuyé. J'avais son visage et ses fringues, mais pas son nom. Tu avais son visage. Oh, j'ai frisé. Oh non, il a frisé. J'ai frisage. Mouette. Mais oui. Mais mouette. Non, oh, putain. J'ai la fête. J'ai la fête. C'est le pire jeu. Une œuvre musicale. Putain, je l'ai. Lettre à Ulysse. Putain, mais c'est horrible. C'est bien. Un pays. Le Japon. J'aurais dit Chine, moi. Le Japon. Ouais. Une chanson. Peu importe ce qui m'arrive, moi je m'en fiche. Zao, je tente. Oh, pardon. Bâtard, si c'est ça, c'est fou. C'était la roue tourne. C'est bon, c'est la roue tourne de Zao. Okay. Oh, attends, putain, c'est... La ref est incroyable. Vous savez quoi? J'en profite pour dire. Ah ouais, de ouf. Zao, sous-côté. Zao, en fait, elle a un vrai talent, vraiment. Elle a un vrai truc. Moi, président de la République. Bon. Putain, oh, le bâtard. François Hollande. Hein. Mec, va voir Nagui, faisons un jeu. Alors, Nagui, si tu regardes cette vidéo, invite-moi. Un chanteur ou une chanteuse. Oh, bâtard. Sia. Oh, la vache. Un animal. Patard. Serpent. Un serpent. Oh, oui. Là, un groupe. Oh, bâtard. Ah ouais, putain. Quoi? Je le sais, c'est un bas. Bonne AM. Oh, mais en même temps, les rêves qu'ils ont. Faisons un petit point sur les scores. Oh, joueur vert, 4 points. Joueur bleu, 6 points. Joueur rouge, 8 points. Joueur violet, tu es en tête avec 15 points. Pour la prochaine question, vous devrez trouver une langue étrangère. Quelqu'un pour relever le défi? Allez, vas-y, faut que tu tentes là. Faut que tu tentes, allez, tu peux rattraper l'homme. Joueur vert, cuando esto pase realmente, pondrán una alfombra roja a tus pies, estará... Espagnol. L'espagnol. Une boisson. Bah ouais. Putain, bah oui. Une bière. Mais non, c'est le champagne. Du champagne. Mais oui, ah, putain, ouais, c'est incroyable. Fais gaffe à pas faire de saut. Aucune bière ne fait ce son. Un j'étais pas loin. Wagner, je crois. Non. Beethoven. Mais non, mais mec. Dire de réponse, ça se fait pas, frère, je suis désolé. Mauvaise réponse. Un objet. Une machine à écrire. Une machine à écrire. Oh, t'es un monstre. Ah, attendez, les gars, vous rendez compte de la pression qu'il y a là? Ah, oui, mais mec, je vais crever. Tu sais, quand il dit, oh, c'est dommage, il ne sait pas compter sur un viaduc. Les gars, je te sens plus. Ouais, c'est vrai, c'est fou, je te sens plus mes membres. La partie est terminée. Joueur vert, joueur rouge, 8 points. Joueur bleu, 9 points. On a égalité. Joueur violet, tu as atteint les 20 points. Attends, c'est on est égalité, vas-y. Ma logique humaine dirait que toi, t'as déjà sauté, c'est horrible, je t'aime tellement. Non, je me suis dit, je vais faire. On peut pas jouer. Ah, t'es chaud? Ouais, je vais faire. Oh, mais mec! Allez, mais... Tu vas gagner de ouf, toi, t'es trop fort, je vais sauter un parachute de merde. Et mec, je perds dans 90% des vidéos. S'il y en a une où je gagne, c'est vrai. La décision est prise, c'est Jimmy qui saute. Je le fais. Putain, oh, sa mère. Je te respecte tellement. Oh, t'es un roi, t'es le roi. Je veux un nombre d'abonnements à sa chaîne inimaginable. C'était une belle partie, hein. C'était serré. Enfin, par toi, t'es le roi du monde, toi. C'était tendu comme un putain de string. Le meilleur, t'as le sang belge, mec. T'as le sang belge. Vive la Belgique. T'as le sang le plus chaud. Le brief. Le brief. Alors, on est avec François. Comment tu vas? Bien, j'ai perdu. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. Bah oui. Allez, viens, on va t'équiper, on va s'occuper de toi, on va te faire sauter à l'élastique. Très bien. Eh, hey, juste François, dis-nous où est-ce qu'on est ici? À Saint-Georges-le-Gautier, près du Mans. Un saut à l'élastique, à près de 50 mètres. On va s'occuper de toi, toute l'équipe d'Elastic Record, on est là. Allez, rentre avec moi. Allez. Jimmy, je t'aime. Les gars, vas-y, mon frère. Allez, Jimmy, sur la balance, qu'on voit s'il n'y a pas d'anomalie. Super, c'est standard. 75, pile mon poids. Ah, quand même. Comme moi. Mets les pieds dans les trous, on va mettre le harnais. Alors, tu vas t'attacher à trois endroits différents. Ah, voilà. Vas-y, bouge pas. Ça stresse un peu, ça commence? Ça va, ouais, ça commence un peu. Ça, c'est Jimmy. Ah, ouais, les gars, Jimmy, il porte ses couilles. Moi, je serais mort de peur. Lui, il est chill, là. La prochaine fois, on fait tu perds, tu bois. Rien d'autre. Assieds-toi, on va mettre les jambières attachées au niveau des pieds. Que par honneur pour Jimmy, vous pouvez tous changer vos avatars sur Insta et Twitter et Facebook avec la gueule de Jimmy. Ouais. On vous met la photo, vous la prenez et vous la mettez partout. Allez, on passe. Alors quand tu vas sauter, tu vas t'attacher par les pieds, ça tire pas, il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'à-coup. Est-ce que pour détendre l'atmosphère, on peut savoir le nom du chien? Elle s'appelle Satine et elle a sauté une fois avec moi. Non, mais non. Est-ce qu'on a des images? On le suit, on t'aime, on te suit, mec. Putain, on te suit. Mais mille fois on t'aime. Mais gros, tu vas vivre un truc de dingue. C'est toi qui contrôle la peur, c'est pas elle qui te contrôle. Allez, champion. Jimmy, on y va. On saute pas, on va simplement au bout du plan joueur. D'accord. Allez, on y va, continue. Allez, on est avec toi, voilà. Ah putain. Qui dépasse. Putain, mon Jimmy, c'est incroyable. Ah, il est chaud. Regarde devant, Jimmy. Jimmy, regarde devant, voilà. Les mains devant, Jimmy.
À 3, on y va. Allez, Jimmy, 2, 3. C'est bien. Non. Putain, la PNJ qui est au-dessus. T'as vu? C'est un champion. Il a fait le saut de l'ange pour le faire. Frère, il est le meilleur. Mais mec, il a foncé. Ça vous dit vous, on descend, on va le choper maintenant. En fait, je crois qu'il avait l'idée en tête de foncer, ça se sent. T'as vu, il a pas hésité. C'est la meilleure méthode, ne pas hésiter. Il a fait comme ça, t'as vu? Mec, il était là. Ouais. Les bras comme ça jusqu'à la fin. Go, 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 je vais aller le voir, je vais lui faire un énorme câlin. Oh là là. Attends, rien que ça pour on moi. On va l'embrasser mille fois. On arrive. On arrive, Jimmy, on arrive. Tu l'entends? Je l'entends gueuler. Ah, je veux son feedback. Oh, mais mec, c'est horrible cette descente. On doit être ridicule. Jimmy. C'est géant. Alors, c'est incroyable. T'as vu? Pas d'hésitation. Oh, t'as pas hésité du tout. J'ai dû sans regarder machin, sinon j'allais pas le faire. Alors tu ressens quoi quand t'es dans le saut là, quand tu sautes? En fait quand tu sautes, j'aurais dû pas regarder. Du coup je regardais pas. Et puis évidemment tu vas vers le bas, donc tu vois ce qu'il y a. Et là oui, c'est un kiff. Ah ouais, c'est... Mec, j'ai des frissons de joie. Tellement c'est cool. Putain, ah, j'ai 3 secondes quand tu commences à voir le sol et que tu kiffes. Ah oui, c'est incroyable. Mec, je crois que j'aurais jamais pu faire ce que t'as fait. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. On va au parachute? Ouais. Bravo Jimmy encore. Bravo Jimmy. Yes. Regarde bien. Pas fait exprès, pardon, si, je savais si, pas du tout. Je pensais que ça bougerait pas. Tout simplement, un avion sur la chaîne de Max et Carlito. Nous voici ici dans un magnifique hangar pour la séquence de parachutisme. On est à Parachutisme Laval, les mecs sont très accueillants. Le lieu est génial. Merci pour l'accueil, c'est vrai qu'ils nous ont très bien accueillis et on est sûr d'être en sécurité avec eux. Mais on a pris une décision pour cette dernière partie. Léo a déjà sauté. Pour lui, c'était fou déjà avec le vertige de faire 5 mètres. La bœuf a incroyablement brillé au sol élastique. Pour ne pas abuser des invités, ça va se jouer entre McFly et moi. Sachant que les prestations de McFly, c'est le Usain Bolt du jingle. J'ai jamais dit le nom de la marque correctement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du parachute, moi non. Merci en tout cas d'avoir proposé ça. C'est l'étape finale. Dans tous les cas, je vais avoir mal. On va vous encourager. Moi, disons que je suis team Raph, tu es team David. Ok, team David. On a tout enchaîné dans la même journée, on s'en est dans les pattes là déjà. Choisissez chacun un buzzer et appuyez dessus. Moi j'ai pris le rouge. Et moi le violet. L'enjeu est un saut en parachute, je rappelle. Un instrument de musique. Harmonica. Un harmonica. Bravo. La vitesse. Vous avez vu la vitesse? Plus un point, un sport. Capoeira? Oui. La capoeira. Oh, bravo. C'est moi, j'étais mon champion, ça. J'ai fait de la capoeira, si vous voulez un petit exemple. Capoeira. Yeah. Fais gaffe. Ouais. Vas-y, on reprend le jeu, Raph. Fais gaffe, garde bien le focus. Un animal. Le dauphin. Un dauphin. Oh, yes, mon vieux. Ah oui. Non, ça peut être une tonne d'animaux. Un instrument de musique. Violon. Ça va très vite par contre. C'était un violoncelle. Oui. Voilà. Oh. Attention, je t'ai dit. La nuance. La petite nuance. Ah. Un objet. Oui. Brosse à dents. Oui, oui. C'était une brosse à dents. Oh. Un pays. Bretagne. Irlande. Oui. Ah, bien vu. Bien joué. C'est bien ça. Ou l'Écosse. L'Irlande. Bien joué. Un compositeur. Mozart. Beethoven. Ah non, putain, pardon. Alors, quelqu'un pour relever le défi? Joueur rose, oh, il faut trouver un animal. Et c'est quoi encore ça? Une chèvre. Une chèvre. Alors, un moyen de transport. Un bateau. Un bateau. Oh, le bateau. Attention, fais gaffe. Une langue étrangère. Ich will ein Thema. Ah oui. Tu l'as. Allemand. Ah oui. C'était oh, ça va être allemand. Un groupe. Queen. Queen. Et là, oui. Faut serrer cette partie, les gars. J'ai aucune idée de qui gagne. Faisons un petit point sur les scores. Joueur rouge, 13 points. Joueur violet, tu es en tête avec 16 points. Pour la prochaine question, les points sont doublés. Un métier. Policier. C'est qui? C'est moi. Policier. Ouais. Alors, oui. Oh la vache. Je me souviens à 15. Cette remontée. Je vais dire la phrase de Beauf, rien n'est prévu. Ok, c'était bon, c'était non bon. Un animal. Ah, je tente. Une souris. Un cochon d'Inde. Non. Un pays. Japon. La Chine. Putain, la Chine. Mais c'est tellement serré, c'est quoi cette partie du diable? C'est démoniaque, cette vidéo, elle est infernale. Le combat est digne, ça j'aime bien. Ah oui. Une fête. Le 14 juillet. Mais non, c'est anniversaire. C'est anniversaire, c'est anniversaire. Un anniversaire. C'est serré de ouf. Putain de merde. Un instrument de musique.
Cornemuse ? Oui ! Oui, bien sûr ! Une cornemuse ! Ouais, oui, très bonne réponse, un film. Oh, Harry Potter. Toute ma vie, je les ai tous lus. C'est maintenant que tu me sauves. C'est ça. La partie est terminée. Joueur violet, 18 points. Joueur rouge, tu as 21 points. C'est toi, le grand vainqueur. Oh, tu vas faire un saut en parachute, Rab. Réaction à chaud. Un mot. Le battement de mon cœur, c'est rare. C'est génial ce jeu. Il y a 5 secondes, j'ai envie de revenir dans le passé. Oui, c'était un beau combat, c'était un très génial. Beau combat. Voilà, pour une fois, j'ai pas perdu dans cette vidéo, première fois. Je transforme le mal en bien. Non mais... Non mais tu vois, la peur en, ouais, en excitation. Ça va être bien. Ah, c'est la méthode Coué. Coué. Ça a été chaud. Serré de ouf. Jusqu'au bout là. Écoute-moi. Tu vas vivre une expérience de taré mental. Non, bah, je suis désolé, je t'aime, c'est pour notre chaîne, bravo de faire ça. Pas désolé, c'est le jeu. J'ai très peur. Mais on est là pour combattre la peur, premièrement, et surtout on assume. On va pas t'imaginer, non, je suis chaud. Je sais que t'es chaud, mais je te donne de l'amour. Je suis chaud comme quand t'arrives en boîte avec plein de potes, que tu sais que dedans il y a une meuf qui te kiffe. Et elle est pas là. Quoi? Ça marche, je dis n'importe quoi. Allez, bah, je vais me faire briefer par le moniteur. Ok, on part en brief pour Carlito. C'est plus qu'un brief, hein, c'est une vraie formation de 30 minutes avec les équipes ici qui sont des ultra professionnels. Bon, Raph, t'as jamais sauté? J'ai sauté à la corde. Je fais le malin, là. Ouais, il fait son choix. Non, jamais de la vie, il était fou, frère. Bon, alors. Il regarde mon corps, il se dit waouh. T'as vu? Bon, on va partir à 4000 mètres. Il y a peu de gens qui peuvent dire cette phrase. Hein, donc là où t'as un petit peu moins de pression. On sait à bien respirer pendant la montée en avion. Pendant la chute libre, au-delà de la vitesse, on va à peu près à 200 km/h. Donc ça gêne un petit peu pour respirer. Tu penses à bien souffler. Par la bouche. Comme tu veux, par la bouche, par le nez, par le cul. Tu imagines? Et quand on est sous voile après, on est à 1500 mètres dans le parachute. Ah. Quasiment la même pression qu'au sol. Il fait très froid aujourd'hui. Ouais. Je suppose qu'en altitude, froid, ouais. Et avec le vent, ça doit être un peu dingue. Moins 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Donc tu vas monter avec moi dans l'avion. On est dans le sens inverse de la marche, mais dans le même sens que moi ici. Je me recule à fond, ouais. Je touche ta queue. Ouais. T'es comment avec ça? Vas-y. Moi je suis très ouvert. On a une chaîne vraiment axée sur la bienveillance. Ta queue. J'ai des chaussettes palmiers. Bon, vers 3500 mètres, je vais te demander de te soulever et de t'asseoir sur mes jambes. Ah ouais? Fais plutôt en prenant appui sur le plancher. Ouais. Parce qu'il n'y a pas grand chose pour s'agripper dans l'avion. Je vais t'écraser là. Ouais, vas-y, c'est bon. On a failli faire pire. On a failli faire pire parce qu'il pensait à moi, je pense, mon gabarit. Tu peux mettre une musique émotion, s'il te plaît, et avancer doucement. Tu sers bien en tirant vers l'avant. Ok. Si besoin est, je vais te dire à deux mains à droite, et tu lâches celle de gauche. Tout ça, je te le redis en l'air, t'inquiète pas. D'accord. C'est beau, l'amour. Mais comment tu veux bouger là si je t'écrase avec 1m90? Oh là, il est bien plus musclé, j'ai senti la prostate. Là, tu vas rejoindre l'extérieur de l'avion. Ouais. Là, tu vas exceptionnellement, parce qu'on est au sol, mettre tes pieds par terre. Évidemment, en l'air, comme il y a 4000 mètres de vide, à moins d'avoir des très grandes jambes, tu toucheras pas par terre. Non. Il sera comme là, ça. Là, tu vas pendre un moment, c'est ça? Ouais. Frère, mec, oh là là. Ça va durer longtemps, ça ou pas? Non, ça va durer quelques secondes. À moins que tu veuilles qu'on prolonge. Non. Appelons des gens au hasard là. Mieux. Avec Omar Sy, Omar, t'es chaud? Je veux pas qu'on fasse ça, genre du jardin, viens. Dès qu'on a fait ça, on bascule. Oh la vache! La terre est ronde ou plate d'ailleurs, juste pour... Bah tu vas voir tout à l'heure. Est-ce que tu peux lâcher un dab? Est-ce qu'il peut faire ça? Ouais, fais ce que tu veux. Si ça part en sucette, je viendrai t'aider pour contrôler le truc. Genre, je pense à ton idée, je fais un dab, on virevolte, je te hais. Louis-Étienne a plus de 15 000 sauts à son actif. Et eux, voilà. Ils ont besoin d'être rassurés? Bah, ils pensent à toi, je pense qu'ils vont être un peu flippés là à ce moment de la vidéo. Eh ben, on va y aller. Ok. Allez les gars, allez les gars, allez mon gars. Aujourd'hui, Carlito, tu deviens un héros sur cette chaîne. Carlitero. Tu es quelqu'un de très gentil. Un guerrier. Un guerrier. Allez, je vous aime, les gars. Allez. Oh la vache. Regardez la vitesse. Et hop là, ça dégage. Ah putain, ça dégage. Hey, putain, mon gars, hey. Oh, oh, oh. Tous, ouf. À la base, tout ce que je veux, c'est embrasser ma meuf, éduquer mes gosses, puis jouer au foot. Et là, je me retrouve là, c'est un truc de malade. Regardez où ça nous mène, cette aventure sur YouTube, putain. C'est grâce à vous, j'ai envie de chialer, ça. Vous le voyez là? Ah oui, là.
Ah oui. Et là, on le voit, c'est fou. Je croyais pas que c'était si haut, bordel. C'est fou la peur dans le crâne, genre. Faut la virer, faut la mettre de côté, quoi, je vous jure. De toute façon, je vais pas mourir avant d'avoir fini One Piece. Je vois plus. Ah, je l'ai perdu, mais il est trop, on voit pas. T'as un bois colombien fébrile, un blanc de la classe moyenne, vivant seul avec sa mère. Grosse victime des Kaira à l'époque. Regardez ce qui se passe maintenant, bordel. Souscrivez à un abonnement, qui disait. Souscrivez à un abonnement. Je suis reconnaissant envers tout le monde, j'ai envie de s'y aller. Top l'arrière. Regarde, je la regarde, j'y vais. Putain, on y va, je crois pas. Oh, je suis excité pour lui. Oh. Wow, 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 wow. Wow. Mes fils, ma femme, je vous kiffe. David, je t'aime, mon frère. Wow. Incroyable. Il a kiffé, mon vieux. Là, il doit kiffer. Oh ! Attends, c'est son premier saut et il joue avec dans l'air. Oh, Louis-Étienne, arrête, frère ! Tout ce que je peux vous dire, les frères, combattez vos peurs, arrêtez la haine, arrêtez le seum. Aimez-vous les uns les autres, c'est tout. Je vous aime trop. C'est une aventure incroyable. Merci ce que vous nous faites vivre sur YouTube. Je suis le plus heureux des hommes. Allez, on se pose dans 30 secondes. Regarde, c'est l'essage de Kirito. Vas-y, mon gars ! Les jambes, rappelle-toi ! Les jambes vers le haut ! Les jambes vers le haut ! Les jambes vers le haut ! Oh ah, mon atterrissage, il était nul. Non, non, il était trop bien. C'est la meilleure chose au monde, les gars. C'est la meilleure chose au monde. Putain. J'ai envie de chialer. Putain. Ah, on dirait un rêve. Hey, je ne parlais que d'amour. Je suis défoncé. C'est vrai. Oh la vache, cette vidéo. Allez, viens, 1, 2, 3. Là, vous avez vécu un truc. Voilà. Viens à la maison. Oh, j'y crois pas que j'ai fini, je te jure, j'y crois pas que j'ai fini. Comment bien, ça s'est passé techniquement le saut? Super. J'étais comment? Cool. Moi, je fonctionne trop au karma, tu vois. Genre, je rentre dans des pièces, même dans une salle d'attente, je peux être saoulé par des gens. Et peut-être, j'ai dit n'importe quoi. Je sais pas, vas-y, dis-le. Mais vous m'avez mis trop bien. Hein. Vous êtes trop cool, trop rassurant et tout, franchement. Le moment dans le vide avant de sauter, quoi. C'est la meilleure chose. Ouais, franchement, mais les gars, c'est la meilleure chose. Tu sais, en fait, tu sors de cette zone de confort. Ouais. Ah, oui, même oui. Si notre vie, elle est charmée, t'es là. Ah, cette sensation, elle est unique. Je vous jure, c'est génial. Oh là là, oh là, 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 mais quel plaisir. Je suis chaud pour le refaire. En été, les gars, je reviens, c'est sûr. Tu débloques un truc. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois la planète en tout petit et t'en as marre qu'on nique la planète, quoi. T'es là, peut-être t'es là, t'as envie de. C'est, tu vois, c'est fou, je sais pas comment dire, tu vois. J'adore, j'adore. Par contre, c'est plat de ouf, hein. Merci à l'école de parachutisme de Laval. Merci à toute l'équipe. Venez, s'il vous plaît, faire un big up à la caméra. Bravo, bravo. Qui ont permis qu'on fasse ça. Merci de ouf, c'est monstrueux. Mais quand t'es là, ouais, c'est t'as fini. Plus peur, t'es juste là, c'est la vie, quoi. Bah, en fait, ouais. Les deux gars, ils se vont comme si ils allaient au marché. Vraiment. Ils disent, on y va. T'es là, ok. Ouais, bon, d'accord, c'est là. Et les gars, j'ai dû dire de la merde. Mais ça, c'est là-haut, génial. Je disais des trucs sur l'amour. J'ai fait un dab. C'est pas vrai. Un dab minimaliste, hein, vraiment. Décalage entre le début de la vidéo où je fais un saut de 5 mètres et je me chie dessus. Oh la vache, j'ai eu un truc là. Et le gars saute de 4000 mètres en rigolant et en parlant d'amour. On avait 3995 mètres de différence entre nos sauts. C'était une vidéo de malade. Merci Jimmy. Merci Léo d'avoir fait aussi, d'avoir joué le jeu. Je n'ai pas perdu dans cette vidéo, mais j'ai profité, c'est la première fois. Et t'as été très merci. Fort. Et merci à D-Jingle de filer des ronds pour des projets comme ça, voilà, ça fait plaisir. Cool. Merci à Théo, merci à Alice, merci Martin Rosson, merci Flo, merci Max. J'oublie peut-être encore des gens, mais merci à vous aussi l'équipe technique, c'était fou. Souscrivez à l'abonnement.